Bonjour à toi, le spectateur sédentaire ou itinérant. J'espère que tu vas bien, qu'il fait beau, que tu as le sourire. Moi, j'ai le sourire. Donc, tu le sais, je suis normalement toute seule. Crissa est partie voguer sur d'autres terres espagnoles. Aux dernières nouvelles, elle passait un bon séjour du côté de Ikea. Je pense qu'elle se fait beaucoup, beaucoup de plaisir à traîner chez Ikea parce qu'elle adore ça. Oh, sinon, je t'ai présenté JR. Oui, c'est quelqu'un de vraiment génial, vraiment un homme sympa qui est rentré dans la vie de camping-cariste à fond, qui est vraiment super heureux. De toute façon, je pense que son bonheur, tu l'as vu, j'ai lu vos commentaires. Oui, c'est quelqu'un d'absolument génial. Je le motive à vous répondre par écrit, carrément, oui, hein, parce qu'après tout, ça parle de lui. Oh, sinon, depuis hier, j'ai fait la connaissance d'un autre abonné qui s'appelle Pascal. Alors, je te le présente pas tout de suite parce que là, il y a eu des mouvements, bien sûr, des imprévus, comme toujours, hein, parce que Chrissa et moi, nous ne sommes pas les seuls à avoir des imprévus quotidiennement. Donc, il est arrivé un petit pépin à Pascal, pas grave, mais contrariant. Donc là, je vais le rejoindre. On change d'air de camping-car. Et JR, il vient aussi. Parce qu'il y a une aire de camping-car juste à côté qui semblerait donner directement sur la mer. Et ça me fait très, très, très envie. C'est bon, j'ai payé l'air ici. Donc, l'air où j'étais là, c'est l'air Les Narejos. C'est très bien, hein, il y a tout. Il y a tout, il y a le terrain où j'étais là avec Rissa, où tu peux être là pour 7,90 € sans électricité. Après, sinon, il y a une autre partie goudronnée où tout le monde est en randonnion avec électricité, etc. Bon, t'as les douches chaudes, officiellement, il y a le wifi, j'ai jamais réussi à capter et personne réussi à le capter. Mais bon, j'ai envie quand même d'eau. Pour l'instant, j'ai pas réussi à me poser sur du long terme. On était venu là parce qu'à Torrevieja, l'aire de camping-car nous avait conseillé cette aire ici. Puis finalement, bon, voilà, ça fait quand même, ça va faire une semaine que j'y suis. C'est bon, j'en ai fait le tour. Et là, j'espère que l'autre aire, j'aurai vraiment les pieds dans l'eau. Paraît qu'il y a une petite, petite plage privée. Alors, on va voir ça. Let's go! Ça y est, Cassie est prête à démarrer. On y va, Cassie? Allez, go! Go, go, go! Alors, vous ne trompez pas en route, moi je serai là. Ah, tu m'as pas arrêté. Je t'ai eu là. Oui, c'est pas plus, faut que je m'arrête aux poubelles alors. Une façon originale de faire la connaissance de Pascal. On a des citronniers. Ouais, faut bien regarder la couleur parce qu'entre les citrons et les oranges, il y en a tellement, tellement. Alors là, on est sur le Camino. Je m'attendais à pire. Est-ce que j'ai pas bardé un peu trop vite et que là, ça va se détériorer? Bon. On va se calmer, ouais.
Alors par contre sur la gauche là, je préviens tout de suite pour les sensibles, c'est l'aérodrome militaire. Vas-y. Voilà, je laisse passer. Surtout que nous on est deux camping-cars parce que j'avais pas fait attention tout à l'heure. JR a attendu que je parte pour me suivre. Donc par rapport à l'aéroport, aérodrome, l'air, va bon. Militaire, il y a des avions qui volent le matin. Et encore ce matin, j'en ai entendu qu'une fois. Bon, ils volent que le matin et au maximum jusqu'à 14 heures. Après, j'en ai pas entendu d'autres. Bon, après, si ça vous embête, ben, c'est pas grave. Hein. Il y a plein d'autres endroits où on peut aller. Hein. Vraiment. Alors, voyons voir l'entrée. Déjà, beaucoup de poubelles. Bien agréable. Alors l'entrée est pas évidente, Joanne. Ça doit être Pascal, je pense. Voilà. Notre Suisse préféré. Donc Pascal nous attendait et du coup ben il sert de guide pour JR et moi. Et là il va m'amener à ma place et montrer ensuite que JR est derrière moi. Il va lui montrer sa place. Pourquoi? Bon, je prends la place qu'il veut. C'est très plat. Je vais rien du tout. Je suis très bien. Allez, ma Cassie, on est arrivé. Mais oui, mon petit chat. Comme d'habitude, un petit chat bien pressé. Voilà, j'ai suivi les recommandations de Pascal. Et voilà enfin Pascal que je te présente. Eh bien, bonjour et bienvenue. Il n'est pas presque chez moi parce que... Donc, alors, Pascal chez lui en Espagne. Tu vois, la mer, elle n'est pas loin. Puis juste derrière la barrière, j'adore. Il y a une grande plage privée. J'adore moi, déjà. Je suis juste là. Où est-ce que tu es, toi? Tout en gris. Voilà, le Himmer. Oui, avec mon chien qui squatte déjà en... Le fauteuil. Et là, nous avons JR. Notre JR international. Voilà. Bon, bah super. Allez, on va s'enregistrer, puis voilà. Voilà. Et oui, ce que l'on voit au bout, c'est la mer. Ça fait du bien, elle est juste là.
Il y a du monde, mais pas trop, ça va. Moi, je me suis installée ici. Voilà, bien. L'emplacement est quand même pas mal du tout. Là, on a déjà la personne que tu connais, c'est JR. Tu connais son camping-car, tu connais Jazz. Tu as brièvement vu Pascal et Little à ses pieds. On prendra le temps hein, de se présenter, Pascal prendra le temps de se présenter dans une autre vidéo, quelque chose d'un peu plus long pour qu'il puisse parler tranquillement de lui, de sa nouvelle vie. Parce que Pascal, ça fait un an qu'il vit en camping-car. Donc voilà son camping-car, le Himmer là. Et lui aussi, il s'est mis ses fauteuils et tout. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va faire l'activité principale des camping-caristes, la flémardise. Voilà, les deux hommes ne se connaissaient pas. Je te promets, ils ne se connaissaient pas hier. Et là, maintenant, voilà, ils sont les meilleurs amis du monde. Et nous allons continuer et finir la journée autour d'une bière. Et après, on ira manger un morceau au resto. À très vite! Bye bye tout le monde, je les dérange pas, ils papotent ces deux hommes. Voilà, c'est moi qui leur donne soif en plus. Bon, allez, je les laisse papoter. Salut chérie!